C'est parti. L'ascenseur, par ici. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hé, hey, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y'a pas marqué ligne de l'amitié, là. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visée sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Oh, je déteste quand ça se joue sur le fil. Maniez-vous. Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reprocher ta tête de contrebande. Clairement, du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher.
détecte aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où, notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. C'est pas bon signe. Je me connecte. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carajo, type. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour, Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Oh, merde! On fait un trépas! V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, air hippo! Merde, ça craint! Attrape, essaie! Je crois. Putain, ça a marché! Fuera, cabron! Emmène-la dehors! Les rats quittent le navire. Ils ont dû voir la trauma et décider de sauver les meubles. Atterrissage! Dégagé! Lancement du protocole de sécurité! Suivez les instructions! Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez! TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. V,
Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot. On a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais... je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, mais... merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je vais claquer. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. Comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson, le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Les Watson, tu te souviens? Ah, merde. C'est vrai. Je suis parano. Merde. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Pardon. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. T'es des os! Bande d'enculés! Putain, Jackie, roule! Allez, V, tire! J'essaye, arrête de zigzaguer! Merde, pardon! Je vous ai eu, les connards! V, fils de conducteur! Ta pauvre caisse. Désolé, mais... pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Tu gars la madre! Putain, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Ah,
personne est confinée jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma Dulcinée. Votre Dulcinée? Ouais, elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez? C'est une raison valable. Regardez-le. C'est pas le citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer! C'est les derniers! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. Donc, tu peux être sympa quand tu veux. Quand est-ce que je suis pas sympa? Tout le temps.